Merci. On remercie avant d'être interviewé déjà tout le monde. C'est-à-dire, on est bien ici à chaque fois. Hein, on est bien tous. Franchement, on est super. Merci au son, merci à la lumière, merci à la vidéo. Merci à vous, public, sans rire. On est vraiment super à chaque fois. On s'amuse, on prend du bon temps. Bravo. C'était un peu notre cadeau de Noël pour cette année, c'est fin d'année 2014. Magnum Opus Experience. Un super cadeau de Noël. Franchement, c'était super. Je ne sais pas si vous vous êtes autant éclatés que nous en régie. Mais alors là, ça a été de la bombe du début jusqu'à la fin. Merci. Alors, nouvelle expérience, nouvel opus. 2013, comme je disais en intro, autour de l'alchimie. 2014, autour du cinéma. D'où vient cette idée ? Une petite passion commune entre Franck et moi, où on s'est dit... Qu'est-ce qui pourrait toucher le plus de nombre de personnes? On a bien compris que l'alchimie, c'était un peu hermétique et que les gens étaient moyennement adhérents du concept. On s'est dit, qu'est-ce que, en fait, aiment toutes les personnes? Bah, c'est le cinéma. Donc on est parti là-dessus, sachant qu'en plus, on est des cinéphiles tous les deux. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on discutait en régie. On trouve quand même... Alors, on n'a pas encore écouté l'album parce qu'il est sorti quand? Il est sorti il y a 4 mois, mais on ne vous l'avait pas donné, donc c'est pour ça que vous ne l'avez pas écouté. Voilà, donc effectivement, on n'a pas pu encore l'écouter, mais on a trouvé vraiment le set... beaucoup plus abouti que celui de l'année dernière. Alors, on attend avec forte impatience votre prochaine venue en 2015 pour le troisième opus qui sera autour de... Du steampunk, l'univers de Jules Verne, l'univers de George Orwell, le Victorian. Et là, il y aura du décor, attention. Alors, il faut que tu m'expliques un peu ce que c'est que le steampunk. Le steampunk, c'est tout un environnement où les gens s'habillent, c'est tout ce qui est mécanisme. En fait, c'est du futur, mais à l'ancienne. Je ne sais pas si tu vois un peu l'univers de Jules Verne, avec des mécanismes, des machines de fou, des gens qui veulent faire des choses incroyables dans la planète. Eh ben, c'est ça l'univers du steampunk. Donc Claude, on compte sur toi pour nous mettre donc, en 2015 des énormes roues dentées avec des mécaniques plein à l'arrière, parce qu'on a de quoi faire à l'arrière, de quoi justement mettre des incrustes. Hein, un peu de technique. On essaiera de rassembler d'ailleurs toute la technique et tous les membres de Nancy Web TV juste après pour vous faire un petit au revoir pour cette fin d'année 2014. Hein, Alain, il aime bien faire ça. Alors, on continue. Quelques petites dates en vue pour ce nouvel opus Magnum. Effectivement, on joue le 7 février à Metz. Si vous voulez venir nous voir, ça sera au bar La Seine. Et sinon, bah, on est toujours preneurs. En fait, on est des musiciens amateurs. Mais on est toujours preneur de dates de concert et c'est ce qui fait un peu notre leitmotiv. On sort un album, on s'amuse, on s'entend bien avec le Francky, ce qui n'est pas non plus évident systématiquement dans une formation musicale, mais là on est vraiment des potes. Donc on s'amuse et puis on cherche à jouer, à faire voir un peu nos morceaux et puis les faire découvrir. Alors vous pouvez retrouver justement les différents opus de Magnum sur leur page Facebook sur MOE. Attends, je vais te laisser le dire. Magnum Opus. Merci Franck. Alors, donc Magnum, c'est Franck à la guitare et c'est Patrick à la guitare. Encore un merci à eux, super cadeau, franchement, on attend vraiment avec impatience le troisième. Merci. On s'est super éclatés, j'espère que vous vous êtes tous éclatés. On va retrouver le podcast qui est normalement prévu d'ici 2-3 jours sur le site web. Donc je vous le redonne, www.nancy-webtv.com. Merci à tous. On espère vous revoir tous de bonne humeur et tous aussi nombreux. Public d'enfer en 2015. Reprise des prochains concerts. Alors comme quoi j'ai vachement préparé, j'étais aux lumières, donc je me suis déchiré comme un dingue. C'est quand la prochaine date, Claude? Le 8 janvier avec Maxime Bender, donc une grosse pointure présentée par Jean-Jacques. On se retrouve donc en 2015. D'ici là, passez des super fêtes. Et puis j'ai une autre petite info qui me revient à l'esprit. Magnum nous avait fait la joie de nous composer le jingle de Nancy Web TV. Donc vous savez le petit jingle qu'on passe au début puis qu'on passe à la fin de nos émissions. Eh ben c'est Magnum qui l'a composé. Encore merci à tous. Merci à Magnum de leur venue. Super album. Je vous montre la jaquette de l'album. Donc Magnum, Opus Experience. Il n'y a pas de caméra dessus. Si, non, voilà, je me cale. Magnum, voilà. Merci, à bientôt. Toute l'équipe de Nancy Web, venez avec moi.